Salut tout le monde, c'est Adou. Fin juin, j'ai été à Tarifa. J'ai été invité par la marque Duotone pour participer à leur événement de présentation du matos 2020. Donc principalement windsurf. Dans cette petite vidéo, j'aimerais revenir avec vous sur ce que j'ai vu, ce que j'ai testé et ce qu'il fallait retenir selon moi de ce petit événement. Je viens d'enregistrer 10 kg de matos, c'était chaud, j'ai dû payer un petit excédent de bagage, mais final, je peux emmener tout mon matos dans l'avion. 7 hours later. On vient d'arriver, je viens de récupérer les clés de la caisse. J'ai galéré comme une. J'avais plus d'une heure de retard et heureusement le vol d'après avait également du retard, donc j'ai vraiment eu un gros coup de bol. Il me reste là 2 heures de bagnole pour aller sur place. Demain matin on va démarrer assez tôt parce qu'il y a le gros temps fort de la semaine, la présentation officielle du automne dès 9h. Tout de suite, Cassos. Torrem Cadiz. Salut les amis, on est arrivé. Je suis crevé de cette journée. J'ai hâte d'être à demain. Bonne nuit. Next morning. Premier temps fort qui démarre dès ce matin avec la présentation officielle de tout le matos du automne 2020. La semaine a démarré avec un petit topo du marketing. Quand tu recevras tes voiles, maintenant, tu n'auras plus de sac plastique qui enveloppe la housse de la voile. Et quand tu déroules ta voile, tu n'as plus ces feuilles en polystyrène blanche assez épaisse qui étaient du plastique inutile. C'est un petit geste pour l'environnement, c'est toujours ça de prix. Il y a d'autres mesures qui sont en place, notamment au niveau de la fabrication, mais on rentrera pas dans le détail parce que c'est pas le sujet. Donc jusqu'à présent, le design des voiles était géré par Raoul Roa, qui est plutôt casquette ingénieur profil technique, qui est le product manager en gros chez Duotone. Simplement, c'était un peu carré. Et là, on va avoir un vrai profil graphique créatif qui va s'occuper du design des voiles. On va retrouver plus de courbes dans le design des voiles, un design moins rectangulaire, moins anguleux. On va avoir des couleurs plus flashy avec l'arrivée du rose fluo, avec l'arrivée de panneaux noirs, notamment sur la warp. Petit focus sur la warp qui aura un fourreau translucide blanc un peu cassé mais transparent, ce qui te permet de voir toute la technologie en dessous, les cambers, le côté un peu tech de la voile. Donc, c'est assez sympa, on est dans quelque chose de plus impactant visuellement. En tout cas, on sent que la marque a écouté ses distributeurs et ses clients et c'est bien d'enfin faire évoluer le design qui est peut-être la seule chose qui manquait à la marque puisque les voiles marchent bien, elles sont bien finies, donc une très bonne chose. Dernier truc, la marque a travaillé les voiles conjointement avec le design des planches Fanatic et du coup on va avoir des couleurs et des motifs qui vont matcher entre les voiles et les planches. Si tu as l'Idol LTD, elle va matcher avec les couleurs de la Fanatic Skate qui est la planche de freestyle dédiée. Ça va être la même chose pour les différents flotteurs de vagues ou de slalom, etc. etc. Thank you.
petit focus sur les voiles. Alors déjà, deux nouvelles voiles, on va commencer par ça. La E-Pace et la S-Pace qui remplacent respectivement la E-Type et la S-Type que tout le monde connaissait un petit peu. La grosse différence cette année, c'est que ces voiles, ils ont travaillé dessus depuis 2 ans et elles vont réellement intégrer sérieusement la dimension foil. Et on a deux voiles qui vont être aussi bien utilisables avec un aileron qu'en usage foil, qui vont fonctionner avec une amplitude de tension énorme au wishbone. On a une voile qui va remplacer la E-Type. On a une voile qui va être proposée en deux finitions, donc en monofilm ou alors en X-Ply, donc le tramé que vous connaissez. On a une voile qui va être proposée en 6 ou 7 lattes. Le 7 lattes, ce sera pour les grandes tailles, la 7-8 et la 8-2. On a une voile qui donc n'a aucun camber. C'est une voile qui va être facile au water start. Une voile sur laquelle en navigation, les lattes vont bien passer après un jibe ou une manœuvre. On va avoir 7 surfaces disponibles de 5-4 à 8-2. C'est des voiles qui vont toutes passer sur des mâts de 4-30 et de 4-60, à l'exception de la 8-2 qui nécessitera un 4-90. Donc le programme de la voile, ce sera à la fois le freeride ou le slalom et le foil. On a 2 œillets au wish, on a un œillet qui va être situé plus près de la chute, qui va être l'œillet qu'on va utiliser pour faire du foil, pour retendre un peu la chute. Et surtout, on a une trim range de ouf, c'est-à-dire que tu vas avoir quasiment 20 cm d'écart entre la tension minimum préconisée et la tension maximum préconisée, sachant que tu vas tendre plus ta voile quand tu vas faire du foil que quand tu vas faire du slalom, où tu vas laisser la tension très très neutre, voire limite négative pour certains. Donc voilà, on va pouvoir la régler de manière très différente sans pour autant qu'elle fonctionne moyennement, que ce soit de la bricole. C'est une voile qui est assez légère dans les bras. Je l'ai testée dans des tailles de plus 7 mètres, en 7.3 et en 7.8. On a une voile qui va aussi bien marcher en foil qu'en freeride. Une voile qui va être assez rapide. Effectivement, je suis pas forcément à l'aise avec les grandes tailles parce que je suis un petit gabarit. Au water start, c'est sûr que c'est hyper facile de pouvoir la sortir de l'eau. Pareil au tire-veille, tu galères pas avec un fourreau large qui va être engorgé d'eau, qui va être super dur à gérer quand la voile est pleine d'eau. Donc bien pour des gens qui veulent pas se prendre la tête, des gens qui naviguent, qui débutent ou qui sont un peu plus confirmés mais qui n'ont pas envie d'avoir une voile chiante à gré, fragile, qui va leur coûter cher à l'achat. Alors c'est une voile qui va être plus abordable financièrement qu'une Warp ou une voile typée Race. Aujourd'hui, on a tendance, avec l'arrivée du foil, à naviguer avec des voiles, même quand tu veux des voiles orientées perf, à avoir des voiles avec des fourreaux de taille réduite pour moins se prendre la tête et embarquer moins de poids en navigation. C'est sympa d'avoir fait une voile conçue et développée pour fonctionner à la fois en freeride et en foil. En 2020, la S-Type disparaît du catalogue et elle laisse place à la S-Pace. Donc on a une voile performance cam, mais attention, relativement accessible. Cette taille qui s'étale de 6 mètres à 9 mètres carrés, 3 cambers. Concrètement, ça se destine à qui? Ça se destine aux pratiquants qui veulent une voile performante, qui n'a pas forcément envie de mettre le budget d'une Warp. C'est une voile qui va peut-être pas être aussi exigeante en mât que la Warp, qui va pas être aussi chiante à gréer, qui va avoir moins de camber et surtout qui va avoir une plage d'étarquage assez importante comme la E-Pace et qui va permettre de naviguer à la fois en foil avec une chute un peu tendue, tension au guindant pas forcément hyper méga énorme, et à la fois naviguer avec une chute très dégueulée, une voile qui twist et une tension assez forte en bas, donc, et tension au wish à l'inverse assez faible, pour pouvoir retrouver les sensations d'une voile de pur slalom. Petite nouveauté et innovation, on va en reparler un peu plus loin, elle intègre les Hypercams 2.0, donc c'est des cambers sur lesquels Duoton a innové, et en gros, on va en reparler, mais ça permet d'ajuster la tension des cambers une fois que ta voile est gréée, sans avoir à la dégréer, ce qui n'était pas possible avant, et ce qui n'est pas possible chez les autres marques. Alors mon ressenti, on va avoir de moins en moins besoin de s'embêter avec des voiles pure race, à moins d'être compétiteur, de faire de la régate, parce que finalement, on arrive à aller
facilement plus vite ou aussi vite avec ces voiles-là sans se prendre la tête, en mettant moins de budget, en galérant moins pour les gréer. Et en plus de ça, là, dans ce cas précis, on a une voile qui est polyvalente windfoil aileron, ce qui n'est pas le cas de la Warp. Alors évidemment, il y a une Warp Foil qui va sortir, qui sera dédiée Foil. La 2020 sort à l'automne. Moi, j'ai trouvé donc sur l'eau, je l'ai testé beaucoup en aileron. Et j'ai trouvé que c'est une voile qui était vraiment rapide. On a vraiment le feeling race. En plus, elle est belle, cette voile. Et j'ai bien aimé. Fourreau assez large, blanc. Ils ont chiadé le design, comme ils ont repris le design des voiles. Elle en bénéficie. Et c'est sympa d'avoir intégré la dimension, les hypercams, donc les cambers, les mêmes cambers que sur la Warp, donc ils sont réglables, parce que c'est une voile qui va s'adresser à des gens qui vont chercher un peu la vitesse et la perf sans trop s'embêter, mais qui vont vouloir une voile qui va vite, qui trace, et qui vont vouloir un petit peu commencer à tuner les réglages. On est vraiment sur des voiles fines. Sur la S-Pace, tu vas avoir un œillet spécial si tu es près de la chute, qui va être dédié au foil. Donc pour avoir un contrôle de la voile un peu plus verticale et puis retendre un petit peu la chute. Focus sur une autre voile, la F-Type. On a une voile avec un gros panneau en dacron qui va être très creuse, qui est disponible en deux tailles, 5-8 et 6-8. On fait des voiles qui vont être de format assez réduit, mais qui vont avoir beaucoup de creux, qui vont partir très tôt. Pour permettre à un pratiquant windfoil de sortir sans avoir une voile énorme mais de pouvoir partir très tôt. J'ai pu la tester uniquement windfoil, attention, c'est une voile qui va servir uniquement en foil, ça sert à rien de mettre un aileron en dessous, c'est une voile qui est trop souple, qui va être trop molle. Elle est hyper douce quand tu es en vol, quand tu es en l'air, donc c'est une voile qui va te permettre d'apprendre, pour apprendre le foil c'est super bien, pour des gens qui veulent une voile dédiée parce qu'il y a vraiment une demande sur le marché aussi. C'est bien d'avoir fait cette voile là. Maintenant, vu les voiles de freeride qui nous ont présentées avec la E-Pace et la S-Pace, je me dis que c'est plus ces voiles là qui vont cartonner et que tout le monde va vouloir avoir. Et on va préférer peut-être une voile plus polyvalente qui va permettre de naviguer en aileron, en foil selon les humeurs du moment et les envies du moment, qu'une voile 100% dédiée foil. Néanmoins, j'ai testé, ça fonctionne. J'apprécie la légèreté du gréement, j'apprécie le concept qui fait que tu as énormément de patates. Mais sans avoir trop de main arrière, ça va être vraiment adapté en foil dans les petits airs. C'est pas une voile qui va aimer naviguer surtoilée, elle va se déformer plus qu'une E-Pace ou une S-Pace. En tout cas, voilà, il y avait une demande sur ce type de voile, la marque a répondu avec une voile dédiée, c'est très bien. Un petit mot sur la Warp Foil parce qu'il y a pas mal d'attentes là-dessus. Alors au meeting, il y avait seulement la 2019, la voile blanche et bleue, donc la Warp Foil 2019 était présente. La Warp Foil 2020 sort à l'automne, donc pas pu la voir, pas pu avoir d'aperçu, pas pu avoir trop d'infos. Si ce n'est qu'en discutant avec Raoul Roa, j'ai eu l'info suivante, c'est qu'ils vont miser sur du high aspect ratio, donc les voiles assez élancées, mais pas super high aspect, c'est-à-dire que tu vas pas avoir une voile qui va être hyper élancée comme les Nell Pride par exemple, Severn ou d'autres voiles qu'on a pu voir qui sont vraiment très longues, qui nécessitent des mâts très longs. Là on va être sur un dosage un petit peu plus nuancé de ce concept là et on va voir ce que ça donnera. Mais vu qu'ils sont déjà au taquet sur le développement windfoil des voiles free race et free ride, on peut s'attendre à une voile qui va bien marcher. C'est la version deluxe de la Super Hero classique. Elle va sortir en quantité limitée à un tarif relativement élevé. C'est la version vraiment haut de gamme pour les gens qui ont envie de se faire plaisir. Alors concrètement, le matériau qui est utilisé pour fabriquer cette voile, c'est la membrane, d'où le M+. La membrane, c'est un matériau qui est inspiré de la construction des voiles de bateaux. Donc c'est du matériau vraiment haut de gamme, ce qui explique aussi un prix qui va être un peu déraisonnable, je pense. On a une construction qui est 20% plus légère qu'une construction classique. Tout a été pensé pour alléger le poids de la voile. La protection de pied de mât n'est pas la même que sur les voiles normales, les voiles classiques. Il n'y a pas de poulie en bas au pied de mât pour étarquer. Il y a juste une petite structure en métal avec des petits arcs de cercle pour passer le bout. Donc tout a été pensé pour alléger à fond la voile. Le matériau allégé va permettre aussi à la marque d'utiliser un monofilm qui du coup est 20% plus épais. On va avoir 6 tailles de voile disponibles. Concrètement, la voile est hyper légère. Quand on va avoir une 4.7, on va avoir le feeling d'une 4.2.
C'est vraiment la voile adaptée au vent établi, type conditions surf sailing à Quiberon ou à l'île Maurice dans du 12-15 nœuds. Si tu veux surfer, tu vas avoir une plume entre les mains, ce qui va être super agréable. Tu vas pouvoir te concentrer vraiment sur ton flotteur. Moi, je l'ai testé, mais malheureusement, on n'avait pas de conditions de vague, donc je l'ai testé en foil. Et c'est une voile qui va donner un certain confort avec une certaine souplesse, mais c'est pas à l'excès. J'aime pas trop les voiles tramées habituellement. Là, c'est un tramé de luxe, on va dire, ce qui permet de conserver une certaine rigidité. Le feeling est surprenant, il faut tester pour voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le poids n'est pas uniquement réduit sur la balance, il est aussi réduit entre les mains. Donc quand tu vas naviguer avec, tu vas avoir une voile qui va être très légère dans les bras. Ça, c'est important. Alors c'est assez sympa parce que comme la voile est hyper légère, on se concentre uniquement sur le flotteur. On a une voile qui va être suffisamment pêchue pour partir et pomper un peu, qui a de la souplesse, donc du confort. Moi, je ne suis pas du tout utilisateur des voiles en tramé en général. Je trouve que c'est trop souple, c'est trop mou, c'est un côté un peu chewing-gum que j'aime pas du tout. Mais là, on a juste le bon dosage. On a une voile un peu plus confort qu'une voile, une voile full monofilm, mais qui va conserver un peu de souplesse pour te donner du confort dans les risées. Et j'ai trouvé que c'était plutôt agréable. J'ai pu la tester avec le nouveau Wish de vague méga slim, diamètre méga slim, donc on tombe à presque 25 mm, 25-26 mm de diamètre. C'est les diamètres les plus fins du marché en vague. J'ai trouvé le feeling super agréable. On dirait un wishbone d'enfant et je vais dire que le gréement combiné à ce petit Wish et en foil, ça m'a donné un ensemble assez sympa avec lequel je me suis pas mal amusé. Petit mot sur la durabilité. Si tu pars faire un trip au Maroc ou tu pars dans une destination où il y a du vent fort, irrégulier et où tu vas la traîner un peu partout, clairement, c'est pas la voile qu'il te faut. C'est une voile qui est... J'ai vu circuler des choses sur internet comme quoi la voile était beaucoup plus résistante que les autres. C'est pas du tout le cas et la marque le dit clairement à son meeting. C'est une voile qui va être top au niveau des performances, qui va être top du top au niveau du poids, le top au niveau des matériaux. Par contre, si tu veux une voile durable, tu prendras la Super Hero classique, qui est beaucoup plus résistante, qui est beaucoup plus solide et qui bénéficie d'une garantie de 5 ans, ce qui n'est pas le cas de la Super Hero M+. Ça va être la voile de freestyle qui existe déjà depuis plusieurs années chez Duoton. Alors je crois que l'année dernière, ou il y a 2 ans ou 1 an, elle a été proposée dans une surface supplémentaire en 3-6 petites surfaces pour les vents forts, ce qui est une très bonne idée, je trouve. Alors cette année, qu'est-ce qui change? Il y a 2 choses principales. On va dire que les coureurs se plaignaient d'avoir des lattes un peu fragiles. C'est la contrepartie d'un poids ultra léger. C'est une des voiles de freestyle les plus légères du marché. Ils ont renforcé les lattes. On a des lattes en fibre, donc ça va moins casser. Ça va peut-être permettre aussi d'aller un petit peu plus jouer dans les vagues avec, sans risquer d'abîmer le matos, parce qu'une voile de freestyle, souvent, c'est une bonne voile aussi de bump and jump. Donc ça, c'est sympa. Et la deuxième chose, alors dans le détail, la voile n'évolue pas tant que ça. De la même manière que la skate ne va pas beaucoup évoluer, le brief de Golito Estredo chaque année, c'est d'avoir plus de pop, plus de speed. Donc la planche a évolué un petit peu dans ce sens-là. La déco change, on a une déco violette sur la planche. L'idole va être assortie, comme je le disais, dans la partie graphisme pour les voiles 2020. En revanche, il y a l'ajout d'un œillet supplémentaire qui va être près de la chute et qui va permettre d'utiliser la voile en foil. Il faut savoir que les voiles de freestyle, c'est des voiles qui ont une chute assez tendue, qui sont assez adaptées à un usage foil et qui sont hyper légères, faciles à utiliser. Donc la voile de freestyle de Duoton va aussi aller dans ce sens-là. De manière générale, sur la politique d'innovation de Duoton, j'ai trouvé qu'ils étaient hyper dynamique, c'est-à-dire que chaque année il y a des nouveaux produits qui sortent. Si tu prends l'exemple du kite, je pense à la click bar qui n'est pas une barre de cette année mais de l'année dernière. On a une barre sur laquelle, au lieu d'avoir une sangle de trim, tu vas avoir des bagues sur les côtés qui te permettent de régler l'équilibre entre retendre tes arrières ou tes avant, je ne sais plus. C'est des innovations qui sont vraiment utiles pour nos sports. Et dans le windsurf, ils font beaucoup de choses aussi. Ils améliorent des produits qui existent déjà et ils créent des nouveaux produits chaque année. On va démarrer avec la rallonge Power XT 2.0 qui est une rallonge à cliquet que vous connaissez sans doute. Alors moi, je suis hyper enthousiaste parce que je connais ce produit-là sur le bout des doigts. Je l'utilise à chaque session, c'est vraiment génial. Le produit a maintenant un certain nombre d'années. Beaucoup de gens l'ont testé au début quand il était sorti et il n'était pas encore fiabilisé. Il y en a plein qui ont cassé des pièces et du coup les gens l'ont mis à la benne et ont arrêté de s'en servir. Il y a plein de gens qui sont dégoûtés de cette rallonge alors qu'en fait elle a été rééditée. La version actuelle n'a plus rien à voir avec la première, elle est ultra fiable, c'est génial. Tu peux gréer sans avoir à poser ton cul dans l'eau quand c'est l'hiver et qu'il fait froid, que c'est mouillé par terre. Tu vas pouvoir régler ta voile quand tu t'arrêtes au bord sans sortir de l'eau. Alors c'est super bien en foil, tu peux même en pleine mer retendre ta voile.
Moi, je suis vraiment adepte de ce concept-là. C'est hyper facile même de la mettre en œuvre. T'as un système de loop and go qui te permet, comme au Wish, de placer ton boot sans te poser la question de si ça va croiser ou pas. Et tu gagnes beaucoup de temps au gréage. C'est une rallonge qui va toujours exister en diamètre standard SDM et en diamètre réduit RDM. Ce qui va changer, c'est la bague. Donc, ils ont modifié la forme de la bague pour une ouverture plus facile. Que tu sois gaucher ou droitier, tu pourras la manipuler à une main. Alors que moi, avec ma bague actuelle, sur l'ancienne version qui marche déjà bien, je suis obligé d'écarter la bague avec deux doigts. Et ils ont incorporé une petite pièce, en des petits embouts en nylon, dans téflon, je sais pas, une sorte de plastique dur, mais arrondi, qui fait que la bague va mieux coulisser sur le tube de la rallonge. Tu vas moins abîmer la sérigraphie. Moi, sur la mienne, tu vois plus du tout les marquages, les tailles 4, 6, 8, 12, tu les vois plus. Et tu vas pas abîmer le métal aussi de la rallonge. Donc ça, c'est super bien. C'est un des détails, mais ça montre qu'on est vraiment dans des petites améliorations techniques pour fiabiliser, améliorer encore le produit. Je trouve ça chouette de continuer à faire évoluer ce produit-là. Il est vraiment top. Dernière chose, lorsque tu rentres la rallonge dans ton mât, le diamètre du bouchon et le diamètre de la bague font qu'il n'y a aucun contact entre le tube alu de la rallonge et ton mât. Ça a un sens surtout pour des centres de location, des écoles de voile qui vont laisser les tubes dans les mâts. Parce que s'il n'y a pas de contact entre l'aluminium et le carbone, ça veut dire pas de corrosion, ça veut dire pas de risque de coincer la rallonge ou d'abîmer les différentes pièces qui sont en contact. Petite anecdote, Nick Baker, qui est coureur pour la marque Fanatic Duoton, a dit un jour, si vous me virez de la team, je pars avec 50 rallonges pour terminer ma vie de windsurfer. Et cette rallonge, c'est vraiment une des meilleures innovations en termes d'accessoires qui a eu lieu dans le windsurf ces 20 dernières années, sans aucun doute. Petit focus rapide sur un harnais qui a été présenté, un nouveau harnais qui est réalisé en partenariat avec Ion, c'est le Radium Team Series. En gros, c'est un harnais qui est réalisé dans un matériau thermocomposite, c'est du composite, ça va être ultra robuste, ça va être vraiment rigide, ça va bien te maintenir, mais le harnais va être aussi super léger. Depuis quelques temps, il y a toute une génération de nouveaux harnais qui sont faits sur la base de cette technologie-là. Alors, petit topo sur des nouveaux cambers, les Hypercams 2.0, qui vont équiper respectivement la nouvelle Warp 2020 et la S-Space 2020. Donc la grosse nouveauté, c'est qu'avec ces cambers, juste avec une clé, tu vas pouvoir régler la tension des cambers sans avoir recours à des spacers, sans avoir besoin de dégréer la voile pour repositionner des cales dans ton camber. Ça va être un réel atout pour des gens qui font de la compétition, des coureurs qui doivent gagner du temps. Tu vas pouvoir l'adapter sur n'importe quel diamètre de mât. Il y a une friction qui est vraiment minimale et la rotation des lattes va se faire de manière très très souple autour du mât. Pour vous dire, certains coureurs qui sont sponsorisés par d'autres marques ont demandé à Duoton si ce camber pouvait être adapté sur leur voile. Alors, le système de poignées femelles qui viennent se mettre au-dessus des tubes pour un maximum de rigidité ne change pas. Par contre, sur le 2020, tu vas avoir un Wish qui, à aucun endroit, n'a une section ronde. On va avoir un diamètre, une section carrée sur la partie avant. On va avoir un diamètre qui va être encore affiné grâce à ce gain de rigidité à l'arrière et à l'avant. On va gagner en rigidité, ce qui va permettre de diminuer encore un petit peu plus le diamètre au niveau des mains. On a un Wish qui tombe à quasiment à 30 mm au niveau des mains. Ça va être le diamètre le plus fin du marché en Wish de race à ce jour. Et je fais le parallèle avec les Wish de Vague. Ils ont sorti cette année, en plus du Platinum Wave qui existait déjà en 1,40, 1,90 que moi j'utilise, qui a un diamètre qui doit être 28 de diamètre, 27, 28 de diamètre. Ils ont sorti un Wish en diamètre dit méga slim, et là tu vas avoir un diamètre entre les mains qui est inférieur à 25 mm, c'est ridiculement fin. On a l'impression d'avoir un Wish d'enfant. C'est génial pour les petites mains, pour les femmes, mais même quand tu as l'habitude d'avoir des Wish plus gros et que tu as des grosses paluches, c'est super agréable. Ceux qui ont testé ont trouvé ça bizarre au début, mais après ne pouvaient plus revenir en arrière. J'ai enfin pu tester la Wing de Duoton.
Alors cette wing, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Bah, elle a un wishbone. Donc en fait, tu vas avoir un tube qui est fixé sur le bord d'attaque et ça te permet d'avoir la même préhension qu'un gréement de planche à voile. J'ai bien aimé le fait de retrouver le feeling grip que tu as en windsurf, j'ai trouvé ça super cool. Tu peux border la voile à une main, tu peux l'incliner à une main, ce que je trouve super sympa, ce que tu ne peux pas faire avec une aile avec des poignées. Le deuxième intérêt de ce wishbone, c'est que tu vas pouvoir retendre, aplatir ou creuser la voile comme tu fais avec une voile de windsurf, à l'aide d'un boot que tu as à l'arrière. Donc ça, ça va permettre de régler l'aile. L'avantage de ce wish aussi, c'est qu'au-delà de la préhension, ça va rigidifier l'aile dans son ensemble. L'aile a aussi dans sa construction, elle a du dièdre, c'est-à-dire que si tu la regardes de face, face au bord d'attaque, les deux demi-ailes remontent un peu et ça va avoir un impact intéressant, c'est qu'en navigation, quand tu vas border l'aile, l'oreille va moins toucher l'eau, elle va remonter un peu, elle va moins taper, elle va moins toucher l'eau, ça va moins faire coup de frein. Ça c'est plutôt bien. La première chose qui m'a frappé, c'est que j'ai trouvé que c'était très rigide par rapport à l'idée que je m'en faisais en tout cas. Mise à l'eau pas toujours simple, surtout s'il y a des petites vagues. Il y avait des petites vagues au bord, pas méchant, mais t'as quand même un leash à la cheville pour la planche, t'as quand même un leash au poignet pour l'aile. Ces deux leashs sont indispensables. Inutile d'imaginer en enlever un des deux, c'est galère sinon. Mais il faut mettre en place une petite stratégie de mise à l'eau au départ et c'est pas forcément inné. Tu as une poignée à l'avant sur le bord d'attaque, donc tu montes sur ta planche à genoux, tu chopes l'aile par la poignée et tu vas te mettre debout. Et dès que tu commences à border l'aile, à tirer sur la main arrière, tu vas générer de la traction, l'aile se gonfle et là tu trouves ton équilibre. J'ai navigué principalement avec la 5 mètres carrés, il y avait aussi la 4 mètres. La plus grosse aile chez Duoton, c'est 5 mètres. Clairement, la 4 mètres, bien pour le vent fort, mais pour débuter, faut tout aller, faut prendre la 5 pour sentir ce qui se passe, pour avoir de la traction dans les bras, sinon vous allez galérer. J'ai beau faire que 60 kg, la 5 mètres c'était bien et j'aurais même pu avoir peut-être un peu plus. Le problème qui se pose avec des ailes qui vont être trop grandes après, l'oreille de l'aile risque de toucher, de taper dans l'eau plus facilement. Au début c'est un peu le gros problème, donc c'est bien de ne pas démarrer avec une aile trop grosse. Je pense que la 5 mètres, si tu débutes avec, tu vas pouvoir la garder si tu prends une aile plus grande après. Sachant que chez Duoton, pour l'instant, il n'y avait pas de surface supérieure à 5 mètres carrés. Alors, petite parenthèse sur le nom de leur wing. Chez Duoton, ils appellent ça la wing foil et non pas la wing. Alors, contrairement à d'autres marques, ils ont un positionnement qui est clair, un discours qui est très clair. Cette wing, elle est faite pour fonctionner avec un foil. Et clairement, je vois beaucoup de marques qui ont tendance à pousser la wing comme un engin de plage qui va être sympa. Tu vas pique-niquer, t'as un paddle gonflable, tu fous ta wing et t'es parti. J'y crois pas du tout. Ça va être marrant 5 minutes, mais les gens vont se lasser, les gens vont être déçus. Pourquoi? Parce que ça ne cape pas. Tu ne remontes pas au vent si tu es en aileron ou tu remontes très mal. J'ai vu des gens encore récemment revenir à pied parce qu'ils étaient en aileron. Tu vas super bien caper si tu es sur un foil, si tu voles, mais si tu ne voles pas, ça va être un engin de promenade qui va te permettre juste de dériver sous le vent, mais pas convaincu par l'approche de la wing avec une planche en aileron. Moi, je me suis amusé dès le début, même dans la phase d'apprentissage. Petit défaut, au début, on a tendance, quand on vient du windsurf, à border l'aile latéralement, à la mettre sur le côté face à soi. Donc, l'oreille de l'aile touche beaucoup l'eau. Ça fait coup de frein, c'est pas évident de la gérer. Et petit à petit, on comprend qu'on est en fait à la croisée entre la gestion d'un gréement de planche à voile et la gestion d'une aile de kite. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'aile latéralement positionnée sur le côté, on va avoir un positionnement plus vertical et on va utiliser la puissance de l'aile pour se sustenter un peu, pour se faire un petit peu attiré vers le haut, et c'est ça qui va nous aider à sortir de l'eau. De la même manière, c'est assez rigolo, mais on va beaucoup pouvoir pomper. On peut pomper très facilement avec une wing, on va pomper à fond, comme en planche à voile, sauf qu'on va avoir un mouvement qui va être en biais, qui va être assez vertical. On va pomper du haut vers le bas avec un petit mouvement latéral. Et c'est ça qui fait que l'aile du foil va sortir de l'eau, la planche va sortir de l'eau. Et dès qu'on est en l'air, on n'a plus besoin de beaucoup de vent.
Alors dès qu'on décolle, je pense qu'on ressemble à rien vu de l'extérieur. Par contre, le feeling est assez sympa et on a des bonnes sensations de vitesse. J'ai testé donc sur une planche dédiée c'était un foil, c'était la Sky Sup. Donc la planche de sup avec laquelle tu peux mettre un foil en dessous, volume assez important, plus de 100 litres. J'ai vite ressenti le besoin, dès que je décollais, de me mettre très très sur l'avant. Par contre, ça accélère super bien. C'est sympa d'avoir cette liberté où t'as pas de gréement, t'as pas de pied de main accroché à la planche. Ça fait un petit peu bizarre au début de pas avoir ce lien entre l'aile et la planche. C'est quelque chose d'assez nouveau. En tout cas, dès que tu commences à partir, tu peux cranter, ça capte super bien. C'est un petit peu plus déroutant quand t'es abattu, quand tu veux abattre. Un petit peu comme quand tu essaies avec un foil de windsurf de surfer frontside. C'est un petit peu déroutant. Le backside est toujours plus facile, je trouve. Quand tu débutes, c'est comme en foil, tu vas avoir besoin d'un vent assez soutenu. Mais pour avoir vu les pros évoluer là-bas, c'est assez dingue. Ils arrivent à évoluer dans 10-12 nœuds. Ils arrivent à partir très tôt, ils ont une grosse technique. Et à mesure que la technique vient, tu vas pouvoir sortir dans des vents très faibles. Les constructeurs commencent à sortir des ailes qui sont plus grandes aussi. On a 5 mètres carrés, mais maintenant il y a des 7 mètres. Il y a même des constructeurs locaux du côté de la boule. Là, ça construit de la 9 mètres carrés. Donc, je pense que la pratique va évoluer et qu'on va avoir des engins qui vont très bien marcher dans les vents très légers également. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a 2 ans, Duoton était déjà venu avec la Wing, 1 an ou 2 ans, et personne ne voulait la tester, ça n'avait pas suscité d'intérêt. Je pense que c'était un peu trop tôt, et maintenant, là, cette année, ça a vraiment eu un vif succès. Tout le monde a voulu tester la Wing, et je pense que c'est un truc qui va vraiment cartonner. C'est vrai que moi, je suis assez enthousiaste dès qu'il y a une nouveauté. Quand la Wing est sortie sur les réseaux sociaux, tout le monde, beaucoup de gens ont été très critiques en disant « mais ça existe déjà depuis hyper longtemps, ça s'appelle la Kite Wing, il n'y a rien de nouveau. » Alors si, il y a des choses qui sont nouvelles, c'est que la Kite Wing, il fallait avoir beaucoup de vent, il y avait une armature en métal, ça coulait si tu la faisais tomber, il fallait avoir beaucoup de vent pour pouvoir sortir de l'eau. Les planches qu'on utilisait avec étaient des planches en aileron, il n'y avait pas de foil, donc on ne pouvait pas partir dans des vents légers. Et puis, l'aile était lourde, on n'avait pas encore pu bénéficier de la technologie des ailes de kite avec une structure gonflable qu'on a aujourd'hui, et on ne pouvait pas partir aussitôt parce qu'on n'avait pas les planches avec les foils qu'on a aujourd'hui. Donc la grosse innovation, elle est là, la grosse nouveauté, elle est là, c'est que ce système devient beaucoup plus attractif grâce aux foils et grâce aux structures gonflables des ailes. Voilà, donc il y a une innovation, je pense que ça va trouver un usage. Par contre, c'est nouveau et le matos en est encore à ses débuts. Je pense que c'est vraiment nouveau, ça va plaire aux pratiquants qui ont affaire à des restrictions l'été, qui ne peuvent pas sortir en kite parce que c'est interdit. Là, tu peux sortir avec une wing, c'est comme du windsurf, tu n'as pas 30 mètres de ligne qui sépare ta wing de toi, donc tu vas pouvoir sortir dans des zones où il y a des restrictions. Il y a ce côté on-off comme en windsurf, donc le feeling du kite un petit peu, mais la sécurité de windsurf avec ce côté on-off, si je galère, s'il y a trop de vent, je peux neutraliser mon aile, je peux la laisser tomber dans l'eau, je suis accroché avec mon leash. De la même manière, si je suis à la rue, je peux positionner mon aile au-dessus de la tête et utiliser mon foil comme si je n'avais plus d'aile. D'ailleurs, c'est ce que font les pros, on les a vus, ils remontent au vent, ils remontent les vagues avec la wing, et quand ils reviennent, ils la mettent au-dessus de leur tête et ils vont pomper, surfer, ils vont pouvoir complètement neutraliser leur wing, ce qui n'est pas possible avec une aile de kite. Même si les deep power ont beaucoup progressé, tu as toujours du jus, tu as toujours de la pression dans le harnais, tu as toujours de la traction plutôt dans le harnais quand tu es en kite. Et ça, ça demande de la technique pour pouvoir le gérer. Et là, on a une aile qui va pouvoir se neutraliser beaucoup plus facilement. Merci à Duoton pour l'accueil sur son événement, c'était vraiment top, super organisation, super accueil, grosse disponibilité des différentes personnes, que ce soit au marketing, à la technique, l'équipe commerciale. C'était vraiment un bel événement, avec un petit vent qui aurait gagné à être un petit peu plus fort, mais c'était idéal dans un contexte où le foil se développe beaucoup. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires en bas de la vidéo, et on se retrouve à très bientôt, c'était Adou, à plus.